Les jours se suivent et ne se ressemblent pas tous. Ouais, dure loi des courses quoi. On arrive avec un rêve américain, et on voit la course, obligé de se rendre compte de la réalité. La pouliche, je vais dire, ne me déçoit pas aujourd'hui. Elle a été plus contrariée. Au premier tournant, déjà en partant, il s'est un peu serré, obligé de reprendre, jument un petit peu à lente. Il attaque le premier tournant, quatrième épaisseur, il n'a pas le choix, il ne tourne pas trop, obligé de reprendre, se remettre derrière. Et lorsqu'il demande en face de venir, il vient sans conviction. Je n'ai pas trouvé la Vorda habituelle, une piste très légère et peut-être un petit peu contrariée par les circonstances de course. Une jument qui a son caractère. Et pour moi, je pense pas qu'elle ait montré son vrai côté, quoi, qu'elle peut se nous montrer. Donc course à effacer, qui nous laisse, on ne sait pas trop encore la distance. On ne tire pas trop d'enseignement de cette course, mais c'est comme ça. Ok, mais pour toi personnellement, il va falloir s'en remettre. Après, une course se suit et on va recommencer à zéro en fait. Ah mais moi je m'en remets aussitôt, hein. Vous savez, comme la victoire, comme les défaites. On travaille pour, et il faut toujours analyser ce qui se passe, pourquoi. Et faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux la prochaine fois. Donc demain j'en prendrai l'avion. Après-demain, on repart au boulot et on continue. Et on repart à Mont-de-Marsan. Merci beaucoup. Merci Philippe de ta disponibilité aussi.